jusqu'à 9h, Good Morning Business. Avec nous à 7h44, Maya Noël, directrice générale de France Digital. Bonjour. 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 Et c'est un jour particulier pour vous, pour l'ensemble de la French Tech, le CES de Las Vegas, en fait plus généralement pour le monde de l'innovation, car ça y est, c'est un rendez-vous qui a lieu en présentiel, comme on dit. Et rendez-vous incontournable, il fallait que les startups françaises y soient. C'est plutôt un signe positif que les startups françaises y soient, puis elles y sont en nombre, puisqu'elles sont 140, ce qui prouve un vrai dynamisme et qui donne une bonne image de la France, ce qui est important pour nous. Notamment. Alors qu'on le précise juste, certains grands noms de la tech américaine ont renoncé à y être, donc d'où l'importance d'avoir une French Tech. Ça donne peut-être plus de visibilité, on va attirer notre épingle du jeu et pouvoir rencontrer des potentiels clients américains et des influenceurs. Alors c'est quoi les défis auxquels il va falloir répondre dans les mois qui viennent pour ces startups par exemple? L'année 2022 va être très importante et déterminante pour le futur des startups parce qu'on vient de connaître des très belles années, notamment l'année dernière qui est une année record pour l'écosystème tech français avec plus de 10 milliards d'euros levés. Il va falloir transformer l'essai en 2022 et on a des échéances qui sont très importantes pour l'écosystème, notamment la présidence française de l'Union européenne qui vient de débuter au début du mois de janvier et les élections qui arrivent. Et donc il va falloir faire en sorte, et c'est le rôle de France Digital, qu'on se donne les moyens de consolider tout ce qu'on a réussi à créer et de dépasser justement ce stade de la levée de fonds pour créer des véritables champions du numérique en France et en Europe. Le CES, c'est l'occasion de se mesurer également à ce qui se fait à l'international. Est-ce que l'écosystème français ne fait pas trop petit d'écosystème français là-bas? Alors l'écosystème français a déjà connu une très forte progression et si on se situe à l'échelle européenne, on a déjà rattrapé nos voisins allemands en termes de nombre de licornes, donc c'est plutôt très positif. Après c'est vrai que quand on se compare à l'échelle internationale, c'est pas une question d'être trop petit, c'est surtout qu'on n'est pas sur le même degré de maturité par rapport aux États-Unis qui ont peut-être 30 ans d'avance sur nous sur le développement des startups. Néanmoins, on n'a vraiment pas de quoi rougir, on a une très très belle délégation, une des plus grosses, et ça va être une super opportunité pour nous de rayonner à l'international et c'est décisif, notamment dans le combat qu'on mène pour attirer des talents, car c'est aujourd'hui le principal frein pour nos startups pour grandir. Donc moi je trouve ça très positif et je pense qu'on n'a vraiment pas à rougir. Combien de licornes actuellement? On a 22 licornes. 22. L'objectif d'Emmanuel Macron c'était 25 en 2025. Dans son mandat. Aucun doute qu'on y parviendra et le prochain objectif c'est une entreprise du Next 40, donc les plus grosses startups dans le CAC 40. Et alors comment on attire les investisseurs aujourd'hui? Avec quels arguments? Alors, je pense qu'il y a déjà cette question d'image, et donc c'est important, je pense, d'être représenté à l'international, et aussi par le fait qu'on a des super technologies, on a des startups aussi bien dans la deep tech, mais aussi ce qui est intéressant, je pense, en France et en Europe, c'est qu'on est capable aussi de produire des startups à impact, et ça va être, je pense, très important, puisque aujourd'hui, le consommateur cherche à avoir de l'impact, cherche à consommer plus responsable, cherche à avoir un bienfait environnemental et social. Et donc, c'est aussi un critère d'attractivité pour les investisseurs, mais aussi pour les talents? Tout à fait. Les deux sont liés. Et c'est vraiment notre combat, notamment dans le cadre des présidentielles. Il va falloir faire en sorte qu'on puisse toujours continuer pour nos startups d'être plus innovants, d'attirer des talents, d'attirer des capitaux et surtout de s'ouvrir des opportunités de marché. Et nous, dans les combats qu'on mène, et ça marche aussi avec la présidence française de l'Union européenne, je pense que le combat se fait à la fois à l'échelle nationale et européenne, c'est l'accès à la commande publique pour nos startups qui peuvent présenter un super marché. Ça, c'est pour les marchés, vous le dites, mais pour revenir sur les talents, c'est aussi une question de formation. Il va falloir former ces talents, féminiser ces talents également. Oui, tout à fait. Il va falloir, pour les talents, à la fois attirer et effectivement former à la fois dès le plus jeune âge pour avoir des profils plus divers. On a vraiment besoin de plus de diversité dans la technologie et aussi former sur, on va dire, plus tard dans la reconversion avec des profils. Aujourd'hui, on a un taux de chômage qui est très élevé. La reconversion pourrait permettre déjà de répondre à cette pénurie parce qu'aujourd'hui, les startups, c'est 1 million d'emplois créés, ça va être plus de 200 000 emplois d'ici 2025 et on manque de talents. Donc il y a un vrai souci de formation. Mais ça veut dire qu'il faut les former au début de carrière, mais peut-être aussi penser à une formation en milieu de carrière. En milieu de carrière. Et il y a dans notre manifeste, donc c'est un document qu'on met à disposition des candidats pour la présidentielle, il y a des mesures qu'on pousse et notamment étendre l'âge de l'apprentissage après 30 ans. Oui. Avec également l'enjeu du financement dans les territoires, parce que finalement, c'est un peu le synonyme de cet écosystème, d'un écosystème francilien. Et là, désormais, il faut qu'il y ait un maillage du territoire plus concret, et notamment en matière de financement. Alors, des startups, il y en a beaucoup, effectivement, en Ile-de-France, mais il y en a de plus en plus en région. On a des très belles licornes qui sont implantées en région. Je pense à des Miracle, je pense à des Doctolib, à des Back Market, qui ne sont pas que à Paris. Et effectivement, les startups sont un formidable levier pour dynamiser les territoires, aussi bien aussi de manière industrielle. On a aussi une société comme Insect, qui est basée en Picardie, et qui ouvre un formidable nombre d'emplois en région.
Est-ce que vous arrivez à savoir quand on aura notre première décacorne? Je pense dans pas très longtemps. Pas très longtemps? C'est ouais. Combien de mois? Je pourrais pas, j'ai pas... Je... Attention d'être une voyante, mais si on se donne les moyens, et c'est surtout ça qu'il faut mettre en place, c'est ne pas déconstruire tout ce qu'on a réussi à faire sur les 10 dernières années et faire en sorte que voilà, cette année et les années à venir, notamment à travers les présidentielles, permettent de faire éclore nos startups et nos scale-up. Merci beaucoup Maya Noël, merci directrice générale de France Digital, d'être venue ce matin dans Good Morning Business à l'occasion donc de ce CES de Las Vegas où nous sommes bien sûr sur BFM Business.